Et bonjour à tous et à toutes les créatrices et créateurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du swap que nous avons organisé avec Sabrina. Alors je bouge beaucoup mais j'ai posé mon appareil, c'était juste pour montrer la taille du colis, j'ai halluciné. Donc 2,101 kg, c'est juste incroyable. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, nous l'ouvrons en live. Alors je vous rassure, après je vais poser l'appareil photo pour plus de stabilité. Là c'est vraiment histoire d'être dans l'immersion totale. Hop, attendez. Ah mais j'ai... Et j'ai mis super longtemps à enlever les scotchs, hein, je tiens à dire. J'avais deux scotchés d'abord. Et voici le swap. Pourtant, je vais poser la caméra pour plus de confort. Il y a tellement de choses qu'il y a des cales. Et je vous jure, il est énorme. Alors, il faut savoir que Séverine est suisse. Donc, Miss Sèvres02 qui s'appelle Séverine, pardon. Est suisse. Et il y a plein de petits œufs chocolat cachés dans mon colis. Et ça, c'est super cool parce que j'adore le chocolat. Et puis en plus, le chocolat suisse. Vous savez évidemment ce à quoi, enfin ce que ça veut dire quoi, les Suisses sont assez réputés pour ça. Donc voici le menu je suppose, donc il y a écrit Amélie, donc mon prénom. Si jamais, just for you, donc swap, c'est super joli, c'est elle qui l'a fait en scrapbooking évidemment. Et hello, pour ce deuxième swap, et un peu été hors budget, mais c'est aussi pour ton anniversaire, j'espère que tout te plaira, j'ai pris un grand plaisir à le faire, bisous Séverine. Donc voilà, je vous explique en fait le contexte de ce swap, c'était pour nos anniversaires qui sont assez proches en fait, je suis née en mars, elle est née au mois d'avril, et donc on avait décidé de faire un swap, hop c'est collé, pardon, excusez-moi, donc ce n'était pas le menu, je ne sais pas où est le menu, est-ce qu'il fallait l'ouvrir en deux? Je sens qu'il va y avoir des ellipses dans cette vidéo. Donc voilà, on avait décidé de faire ce swap cadeau d'anniversaire en fait, et ah voilà. Voici le menu. Non mais je vous jure, hein, le truc est tellement grand, je ne m'y retrouve pas. Donc elle a fait un joli système de fermeture avec du beau ruban organza. Très joli, les tampons. Hop, c'était dans ce sens, menu. C'est marqué. Hop, c'est parti. Alors, j'adore. Bon alors moi, je vous cacherai pas que mon swap n'est pas encore envoyé. tout simplement parce qu'elle était beaucoup trop en avance et moi beaucoup trop en retard. Mais je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, il y a 18... Oh là, il y a 18 choses, ça faisait... on les peint... On le mange. Donc, à mon avis... Oh là là, oh god. Oh my god. En fait, j'ai tiré ça où c'était marqué 1. Et regardez, c'est énorme. Mais énorme, énorme. Attendez, mais il y en a partout. Il y en a de partout. Donc, c'est tout marqué numéro 1. Oh là là. Bon, alors, si vous voulez mon avis, ça va être des œufs. Ça va être des œufs. À mon avis, ils vont peut-être être garnis. Alors, garnis avec... Ouais, du chocolat puisqu'elle a dit on les mange. C'est parti. Attention. Non, c'est pas du chocolat. Ça va être des œufs en mousse en fait, à décorer. Et on pourra pas les manger évidemment. Ah, donc c'est pas des œufs en mousse. On peut pas les ouvrir. Si, on peut, je ne sais pas. Donc ce sont des petits œufs comme ceci. Enfin, le premier est comme ça. Est-ce que tous vont être comme ça? Je vais peut-être faire des accélérés. Hein. C'est possible. Alors je suis désolée si j'ai l'air fatiguée, j'ai moins la pêche que d'habitude. Tout simplement, ce week-end c'était la fête des grands-mères. J'ai dû travailler mes parents et je suis exténuée parce que c'est une fête assez grosse pour nous. Donc voilà, ça va être que des œufs comme ça. Je vais vous l'ouvrir très très vite. 6 œufs, donc sur une guirlande. Je trouvais ça super original comme idée, la guirlande. C'est vraiment cool, merci beaucoup. Donc des œufs en plastique comme ceci à décorer. Et je sais pas, j'ai une vision d'un coup, genre une sorte de lampe. Vous voyez le genre? Oh bah voilà, je vous tiendrai au courant en tout cas quand bah, j'aurai fait quelque chose avec, pas tout de suite hein, mais ça va venir. Bref, merci beaucoup, j'adore l'idée de la guirlande, vraiment, c'était super sympa. Si... Minon? Si mignon? Si... Minon. Je suis désolée, j'ai pas réussi à lire. Si minois. Dites-moi. Alors, je ne sais pas, je suis désolée. Peut-être juste sinon? Non. Ah, si mignon, c'est ce que je vous avais dit. Ah, d'où l'orthographe. Parce que, voilà, ah, c'est un truc mignon surprise. Énorme. Oh, c'est un truc avec une figurine énorme. J'adore ça. J'adore. Et donc, attendez, il faut qu'on regarde d'abord qui on peut avoir. Donc, on peut avoir Bob. Alors, j'ai vu le film, hein, je tiens à dire, je m'en rappelle plus trop. Kevin Stewart, moi j'adorais Bob, il était trop mignon. Mignon 1, mignon 2. Gros mignon, énorme. Égyptienne mignon. British Invasion, King Bob, ah, c'est trop chou. Hein. Le Vive le mignon, Eve le mignon, enfin bon, bref, vous les voyez tous. Peace Brother mignon. Ils sont tous énormes. J'aimerais avoir celui-là, avec la couronne. Ah, on voit pas. Il a pas fait la pointe. Il fera jamais la pointe, tant pis. Et, bon, vous avez spoilé en fait. Je regardais pas moi. Et nous avons eu du coup Bob, le petit Bob.
Super. Trop chou. Trop chou. Je savais pas que ça existait, les petites pochettes comme ça, surprise mignon. Très très cool. Merci beaucoup. Donc ça change, hein. Le thème, c'était printemps et Pâques. J'ai oublié de vous le dire au début. Et on s'était fixé un budget de 40 euros, je crois. Oui, c'est ça. Donc il va y avoir beaucoup de choses. L'indispensable de Pâques, numéro 3. Donc l'indispensable de Pâques, c'est le chocolat. Non. Des piñatas, c'est pour Pâques? Je sais plus. Je sais plus du tout. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Pardon. Oh là là, mais aujourd'hui je suis grossière. Je vais devoir mettre des bugs sur ma vidéo. Si ça saute, c'est normal. Si j'aurais dit une insulte. Hop. Wouh, bah dis donc. Trop chou. Trop trop chou. C'est un mini panier. Donc vous voyez, on peut mettre un œuf. Non, en fait, on peut mettre plein de choses. Là, c'est cool parce que pour les créas. Je pourrais faire quelque chose qui peut tenir. Et puis hop, on met le mignon. Oh, c'est trop chou. Ah bah, je vais laisser comme ça. Je suis en train de mourir. J'ai mangé il y a pas longtemps. Je suis en train de décéder. Donc 4, l'icône de cette fête, le lapin. Ah là là, il m'énerve à pas faire la pointe ce truc. Bref, le lapin ou la cloche, si vous voulez mon avis. Alors, je viens de trouver ceci. C'est énorme. Il n'y a pas de numéro, donc je pense que ça c'est juste bonus. Donc ça aurait pu être ça aurait pu être ce lapin en bonbon. Oh god. Waouh, c'est trop cool, merci beaucoup. Ah, vraiment énorme, hein. Je pourrais pas faire le poids. D'autant plus que, étant française, je ne vais pas lui envoyer du chocolat. Donc je viens de trouver ceci qui est marqué hors menu. Ici, hors menu. Et j'ai l'impression que ce sont des aimants. Je pense que c'est une bande d'aimants. Merci beaucoup. Hop, donc on cherche toujours le numéro 4. Je vous dis, hein, le paquet est tellement grand que je ne sais pas où il est. J'ai le numéro 5 sous les yeux. Hop, du chocolat. Ah, 4. Le voilà. Le voilà, le petit numéro 4. Et donc, du coup, on avait dit quoi? L'icône de cette fête. Donc, moi, je pense que ça va être un lapin. Ah, c'est marqué 4 dehors et 7. Ah non, c'est juste le 4 à l'envers. Je me suis dit. En fait, on vient de. Ah! Trop chou. Trop mignon. Alors, qu'est-ce que. En fait, je vois ce que c'est. C'est quelque chose un peu pour faire des décorations, des guirlandes, mais je ne connais pas la matière. En tout cas, c'est très très joli. C'est pour faire des décorations, tout simplement. Bah, là, je peux faire une déco complète avec les lapins, tous les œufs et tout. C'est vachement cool. Merci beaucoup. Nous passons à présent au numéro 5, qui est pour remplir les 3. Le 3, ou juste en faire d'autres. Donc, une 3 indispensable de Pâques. Le numéro 3. Oh, mais. On a ouvert le numéro 3. Ah mon dieu, le numéro 3 c'était le panier. Excusez-moi. Donc bah moi j'ai déjà trouvé ma déco perso. Donc pour remplir le 3 ou juste faire d'autres. En faire d'autres. Donc. Ça va être du fil. Ça va être du fil. J'avais un petit peu vu, mais j'ai trouvé en même temps. Donc c'est du fil décoratif, comme bah, mes parents sont fleuristes. Alors c'est le genre de choses qu'on peut utiliser. Donc c'est vachement cool. C'est. Ah ouais, comme ça je peux faire le fond et tout, enfin un truc super mignon. Merci beaucoup. On passe au numéro 6 à présent, donc l'accessoire qui agrémente tes créations. Donc c'est parti, numéro 6, donc accessoire à mon avis, ça va être des apprêts. Hop, encore des œufs. Non mais il y en a plein plein plein, donc ils sont un peu ouverts, c'est pas grave. Numéro 6, attendez. Oh god. Il y a un numéro 6 et un numéro 9 en fait, et du coup je sais pas qui a... Bon, attendez, je regarde de mon côté. Donc alors, je pense que c'est lui le numéro 6, parce que du coup j'ai ouvert celui sur lequel on était parti. Et ce sont des nœuds, donc si jamais j'ai tort, ben, j'aurais ouvert les nœuds trop tôt. Donc c'est vachement cool, parce que comme vous avez vu dans ma dernière commande, j'ai acheté plein de nœuds, mais plein plein plein. Si vous l'avez pas vu, c'était dans la commande Eclair Wonderland. J'ai acheté tout plein de nœuds, donc c'est cool. Ça va grossir mes rangs de nœuds, il y en a plein. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir, vraiment. Alors, ensuite... Cette surprise. Bon, alors là, je risque pas de deviner, évidemment. Numéro 7, numéro 7, 14. Le numéro 13, on a des œufs. Le numéro 18, non, mais je vous jure, c'est abusé. J'ai jamais eu un cadeau pareil. Hein. Ça, c'est. Ah, numéro 7. Donc, surprise, évidemment, je ne sais pas ce que c'est. Ah, énorme! Énorme, énorme, énorme! On a un deuxième paquet de mignons surprises. Alors, je suis super contente, en fait, parce que je me suis mise aux cartes Pokémon. Il n'y a pas... Enfin, je me suis replongée dedans, en tout cas.
Et donc, je lui avais dit que j'adorais ouvrir des paquets, n'importe quoi, même les... Je vais jamais ouvrir tout. Donc là, on va voir. Donc, nous espérons toujours avoir le roi. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que vous y croyez? Oh, je crois. Attendez. Ah, mais il y avait ça tout à l'heure. Ah, c'est un socle. Donc, il a un balai dans les mains. On va essayer de voir qui ça peut être. C'est lui. Ah, trop cool! Regardez! On a encore Bob avec le petit panneau pisse. Trop mignon. Ah, énorme jeu de mots. Ah, c'est trop cool, regardez. Hop, j'ai ma petite signature, ça y est. Donc, nous avons encore des œufs. Et en fait, je vous ai même pas dit ce qu'on cherchait. Nous cherchons à présent le 8 idéal pour tes créations. Pour les créations, pardon. Donc, le numéro 8, je crois que je l'ai sorti déjà. Alors, numéro 8, le voici, idéal pour les créations. C'est assez grand. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est... Mon dieu, j'aurais... Comme il y en a partout, en fait, ben, je vais tout tomber tout le temps. Ah, super cool. Donc, nous avons deux bagues. Alors, attendez, on va ouvrir. C'est vachement bien emballé, en tout cas. J'ai oublié de le dire, mais c'est super, super bien emballé. Nous avons une bague en or et... Ah, non. Alors ça, c'est des supports pour bélier, je crois. Oh là là, il m'énerve à pas faire la pointe. Fais la pointe, s'il te plaît, dans ta vie. On voit rien. Bon, j'espère qu'on verra mieux en vrai. Donc c'est quelque chose pour les béliards, je crois. Et donc là, nous avons un mix. Alors, il y a une chaîne, il y a plein de mousquetons, il y a des clous, des gros anneaux, des boucles d'oreilles. Alors ça, c'est des petites gouttes de finition. Je sais pas, vous allez pas voir parce qu'il fait pas la pointe, mais je vous le dis. Nous avons des fermoirs pour chaînes à boules et nous avons des... des coupelles pour mettre au-dessus des perles, par exemple. Donc c'est vachement cool parce que je me suis mis à la création de bijoux également, même si je vous en ai pas trop parlé. Idée, ça on l'a fait, on le retrouve sous plusieurs formes, numéro 9. Numéro 9, on le retrouve sous plusieurs formes. L'air, l'eau, je ne sais pas. Le chocolat? Non. Alors, là on se rend compte que j'ai en effet inversé le 6. Et le 9, donc ça c'était idéal pour la création, et ça, du coup on le retrouve sous plusieurs formes, mais c'était les nœuds. Bon, c'est pas très grave, hein. Je pense qu'elle m'excusera. J'en ai fait tomber partout. Bon, alors voici, nous avons des mousquetons et des anneaux en or, sachant que j'ai toujours pas beaucoup de choses en or, donc ça me fait très plaisir. Une cage, en bois, comme ceci, hop. Et là, nous avons un mix de breloques. Alors ça tombe bien parce qu'il n'y a pas longtemps je cherchais des étoiles en fait pour le lot du concours qui est en cours sur ma page Facebook que je vous invite à aller voir en partenariat avec Nico Willy Bird. Bon maintenant ma créa a fini mais ça sert toujours les étoiles, ça va partout et c'est toujours très joli. Nous avons une note de musique, un cadenas à cœur, hop, je vais vous faire un truc parce que ma vidéo va être super longue. Nous avons une cuillère. Une petite feuille, ah ça j'adore cette broche, j'ai utilisé il y a pas longtemps. Une encre et cette branche. Voilà, donc c'est vachement cool, c'est tout ce que j'aime, les choses gourmandes, les choses un petit peu fantasy avec les étoiles, c'est exactement ce que je recherche dans mes créations. Donc c'est bien trouvé, merci. Blablabla, j'en ai aussi, je ne l'avais jamais utilisé. 10. Donc j'en ai aussi, je ne l'avais jamais utilisé. Je ne vous cacherai pas que là, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Donc 14, 11, il y en a partout. 10, alors c'est énorme. C'est énorme. C'est rigide. Il y a des choses dedans. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, très joli papier cadeau hein, avec des petits oursons de plein de couleurs. Ils sont vraiment super cute. Super cute. Voilà, comme vous pensez à un jeu. Attention. Ah, purée, le suspense est à son comble. Attention, tadam! Ah, j'en ai aussi, ok. Donc là, en fait, elle faisait référence, du coup, à la vidéo que j'ai faite. C'était la box Sergent Guimauve, où il y avait des encres comme ceci, que je n'ai pas encore utilisées, je dois avouer. Et donc là, on a plein, qui sont plutôt sur le thème de Noël. Je pourrais faire des trucs super cool pour le thème de Noël. Donc il y a du rouge, du vert, du doré, qui rend très très bien. Et là, je pense que cette fiole est vide. Et que du coup, on peut mettre ce qu'on veut. Et c'est un spray. Bon, je regarderai ça un petit peu mieux, parce que là, je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais peut-être que je ferai quelque chose de spécial. Je vous avais dit, de toute façon, je ferai quelque chose sur ces encres. Bref, merci beaucoup. 11, rien à voir. Donc, rien à voir avec les encres, ou rien à voir avec le swap. Je sais pas.
On va voir ça tout de suite. C'est très drôle, puis c'est... Oh my god. Oh my god! Ce sont des boosters rupture turbo. Trop cool! Et ben, je vais les garder. Et je vous ferai une toute petite ouverture du coup sur cette chaîne. D'habitude, je le fais sur mon autre chaîne parce que j'ai une autre chaîne. Et je vous ferai une ouverture de ces deux boosters sur ma chaîne, sur cette chaîne. Donc, si ça vous intéresse pas, bon, tant pis. Mais merci beaucoup parce que je pensais vraiment pas que t'allais m'en envoyer. Oh, mais ça trouve. C'est ouf ce que t'as fait, mon dieu, je suis pas à la hauteur. Bah écoute, je vais fournir trois fois plus le swap qui était en cours. Merci beaucoup, vraiment. Ça me fait trop plaisir, j'espère que cette ouverture vous plaira. Hop. Alors, next. À présent, nous passons... Alors, faut que j'accélère parce que là, oh, mon appareil photo va bugger. Bref, 12, un petit quelque chose pour... saison. Je ne sais pas. 12. Alors, attention, le voici. Le numéro 12 avec cet énorme paquet cadeau. Trop cool. Ah. Et non. Mon dieu, mais... Oh, waouh. Ce sont des super écouteurs. Kit main libre, pardon. Écouteurs kit main libre. Du coup, c'est du Apple. Waouh. Eh bien, merci beaucoup. Ça, c'est le genre de choses qu'on utilise tout le temps. Et moi, j'avais des petits écouteurs de mauvaise qualité, tout pourris. Et c'est trop cool. Trop hâte. Je vais les essayer de suite dans le train, là, que je prends dans pas longtemps. Merci beaucoup, Séverine. Ça me fait vraiment plaisir. Franchement, il est ouf, ce soir. Abusé. Merci. Alors, next. Tu m'en rediras des nouvelles, car j'en voudrais une. Oh, what? Attendez, mon appareil va couper. Donc, on passe au numéro 13. J'ai redémarré mon appareil photo parce que sinon il allait s'éteindre. Donc, tu m'en rediras des nouvelles parce que j'en voudrais une. Et bien, je ne vous cacherai pas que je ne sais pas ce que c'est. Alors, de dos, je peux vous annoncer que c'est une machine à faire des perles. Exact. Donc, j'avais découvert ceci sur la chaîne de Miss Creative il y a un moment. Donc je sais plus trop comment ça marche, mais je vais vous faire un tuto là-dessus. Voilà, ça va être super cool. Franchement, Séverine, mais tu as craqué. C'est fou ce que tu m'offres. Merci. Un truc pour ton bureau, numéro 14. Alors, un truc pour mon bureau. Ça, c'est petit. Qu'est-ce que ça peut être? Une clé USB. Une clé USB de folie avec un Pokémon, je sais pas. Non, je vois pas du tout ce que ça peut être. Attention. Des crayons couleur. Accessoires décoratifs, c'est mini-can. Ah, trop cool. Donc, c'est un carrousel de tranches animaux. Voilà. Trop beau. Donc, il y a un peu de tout, hein, des lapins et tout. Ah, c'est trop cool. Merci. Alors, elle a mis des choses un peu évasives comme... indice, création 11, one, or, our, ours, je sais pas, un truc comme ça. Donc c'est une création, très joli paquet qu'on n'avait pas encore eu. Moi je vais mettre des paquets de Noël, j'ai que des paquets de Noël chez moi, je suis désolée. Hop, attention, oh mon dieu, trop classe. Donc, je vous présente tout ça. C'est un porte-clés sublime avec des petites roses. Oh là là. Trop chou. Donc ça, c'est bien en plus parce que c'est un porte-clés robuste. Moi, souvent, je fais des porte-clés. Je suis très contente. Et à la fin, je dis, bon, c'est bien, mais il faudra pas l'utiliser en porte-clés. Là, on peut l'utiliser en porte-clés. Ce sera quelque chose de robuste. Donc c'est vachement cool. Merci beaucoup. Et alors ça, c'est du coup une décoration. Mais c'est super joli. En fait, voilà, c'était le thème basique. C'était printemps et Pâques, comme je vous l'ai dit. Et je trouve que ça représente exactement ça, c'est-à-dire les branches tressées, ça fait penser au panier de Pâques, et les petites fleurs pour le thème printemps. Je trouve ça super beau, franchement j'adore. Je vais le suspendre, vous verrez, ah non parce que je peux rien suspendre à Lyon, bah tant pis. Je sais pas où je le suspendrai, mais je vais le suspendre, crois-moi. Donc, plutôt sympa, le numéro 16, ça a l'air d'être quelque chose de massif, ça fait du bruit. Oh mon dieu, ah oui bah là c'est sympa hein. Ah là là! Vous avez un indice là. Tadam!
Ça, c'est vraiment sympa, purée. Donc, c'est un lapin Lindt d'or chocolat au lait, puisqu'elle m'a demandé quel chocolat je préférais. Et je lui ai dit, ben, chocolat au lait. Et c'est trop bon le Lindt. Hein. Je pense que je vais rien vous apprendre. Je vais le manger très très vite. Il va disparaître dans mon estomac. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup. 17. Pour ton anniversaire. Ah, bah, parce que tout ça, c'était pas pour mon anniversaire, mon Dieu. Bah, je pense que là, déjà. En fait. Quand j'ai ouvert celui-ci, je me suis trompée. Je ne sais pas. Je comprends pas. Bon, en fait, je viens de trouver le 14, donc. Et je suis sûre qu'il y avait le numéro 14 sur lui, je sais pas. Je comprends pas. Là, il y a plein de numéros. 17, 11. Il y a plein de choses. Bon, on ouvre maintenant. J'espère que je fais pas n'importe quoi. Oula. Oula là là là. Trop cool. Alors, nous avons. Waouh, waouh, waouh. Un mini bloc-notes super mignon. Tout coloré, très joli. Ben, pour mettre des choses. Donc, ceux-ci sont des trombones en forme de flèche, c'est super original. Bon, évidemment, on peut les utiliser autrement, juste en décoration par exemple. Oh là là, il y a plein de choses. Un autre bloc-notes en forme d'étiquette. Un joli bloc-notes avec une petite étoile pour écrire un petit mot par exemple. Et. Ah, énorme. Et un bloc-notes avec des bulles comme ça pour parler. C'est trop cool, c'est trop trop cool, c'est abusé comme c'est cool. Donc ça c'était plutôt ça le vrai 14 pour son bureau, ça paraît plus logique que les cannes. Du coup, bah je sais pas ce que j'ai fait. Et on était à 17 pour son anniversaire. Donc, vous allez halluciner. Voici le 17. Il ne rentre même pas. Donc il est énorme. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Mais non. Je pète un câble. Voici ce que c'est. Ce sera donc une grosse ouverture sur ma chaîne. Oh, c'est un kit Horus Xbox. Donc en anglais, mais c'est un kit qui n'existe qu'en anglais. Avec 4 boosters. Du coup, ciel rugissant, impulsion turbo, un autre impulsion turbo et primo choc. Avec la carte X Horus qui correspond à, je sais plus, je suis trop sous l'émotion. Bref, et la même carte en jumbo. Abusé. Abusé. Bon bah merci beaucoup. Abusé. J'adore ce Pokémon en plus. Franchement. Oh, c'est vrai, t'as abusé, c'est ouf. Bon bah ouais, bah gros cadeau d'anniversaire. Et le dernier, attention aux dents. Wow. Et du coup, c'est un lapin en caramel. Ah, pas que nougat. Ah non, c'est du nougat. Nougat caramélisé à mon avis. Oh. Nougat aux amandes. Bon, il n'y a pas de caramel, je sais pas. Bon, ben, voilà. Écoutez, c'est oufissime comme ça. Franchement, si vous voulez mon avis, elle a explosé le budget. Waouh, c'est abusé. Bon, je peux même pas vous faire un récap parce qu'en fait, tout ne tient pas. Et j'en ai mis absolument de partout sur mon bureau. Mais, du coup, les cannes, c'est bien. Hein. Enfin, elles étaient vraiment sur le bureau. J'ai sapé quelque chose, je sais pas. Je sais pas, je vous fais un petit récap très très vite, voilà les encres, enfin avec ce que j'ai sous la main, parce que j'en ai mis partout partout, avec tous ces, voilà, ça, la sucette comme ça, tous les nœuds, les œufs, tous les mignons, tout, oh là 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 là, merci Séverine, oh là là, oh, mais je suis vraiment sincère là, parce que c'est abusé, mais tout, 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 oh là là, bah, enfin, je suis à la hauteur, moi. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc du coup, rendez-vous pour l'ouverture. Je vais peut-être faire deux vidéos. Dites-moi si on fait une vidéo ou deux vidéos ouverture. Donc de la box et de mes 6 boosters. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement, je vois pas pourquoi elle vous plairait pas. Parce que moi, elle m'a trop 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 plu. Qu'est-ce que je vous dis? Voilà, merci une fois de plus Séverine. Et puis, je vais faire en sorte que le swap que tu vas recevoir soit le meilleur swap de ta vie, comme c'est le cas actuellement pour moi. Voilà, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine.